Rumble. Rumble. C'est un long délire. Bon, regarde dans la fontaine et dis-moi quel logo tu vois. Si tu as des images bizarres avant, c'est normal. Ce sont des reflets de ta pensée. Par contre, inquiète-toi si tu vois Antoine Daniel. Il était recensé comme mort depuis 2010. Antoine qui ? Un grand mage qui n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs années. Un peu comme toi, MDR. Bon, bref, c'est pas le vif du sujet. À toi de voir ce que le destin te réserve. Alors, quelle lettre as-tu vue ? Un A. Oh ! Quoi ? C'est grave ? Non, non. Bienvenue parmi les Elias. Oh, ça... ça te dérange ? Oui, non. De toute façon, ça ne change rien. Non, nullement. T'as l'air déçu. Bah, c'est juste... c'est triste que tu sois du côté des... Fayo ! Pas de la même maison que moi, mais bon... Au moins, je suis pas chez les grosses brutes. Eh oh, on va se calmer deux secondes. Bon, n'oublie pas, demain matin, réunion, assemblée et l'après-midi, bal. Je suis obligée d'aller au bal ? Bah, tous les mages qui se respectent, y va. Oui, pourquoi pas ? Je suis obligée de porter une robe bonbon avec des petites fleurs et un diadème, en fait ? Bah, disons que tu vas pas y aller en armure lourde avec une épée de 2 mètres dans le dos. C'est pas très élégant, quoi. À part si tu veux repousser les gens. Mais tu le fais déjà naturellement, alors bon... Moi en robe, je suis capable de me couper une pour ne pas y aller. Tu n'en as pas, ça va être compliqué. Bon, chut, d'accord, j'irai. Il y a une robe et toutes tes affaires de mage afin que tu ne sortes pas du lot. Ah, parce que les mages ont des tenues spéciales. Normalement, tu devrais porter une chemise et une jupe vu ton grade. Mais te connaissant, j'ai changé un peu les règles. Merci. Je t'accompagne à ta chambre, suis-moi. Voilà ta chambre avec ta belle robe rose. Enjoy MDR. Oh, tais-toi ! Une robe, non mais je rêve, qu'est-ce que je vais faire avec une robe ? Ah ouais ! D'accord. Bon, on va se changer car mes vêtements ne sont pas acceptés ici. Les soldats du royaume de la Redenia viennent jusqu'ici. C'est pas comme si la barrière magique était méga puissante pour eux. Ouais, il vaudrait mieux être prudent. Mais non, ça va passer crème, tu vois. Ce serait alors la cerise sur le gâteau s'ils réussissent à passer. Y a pas besoin d'en faire tout un plat. Nien, t'as gagné, j'ai plus d'idées. Allez, easy, je suis le meilleur en genoux. Tu sais, quand j'étais adepte en deuxième année, j'ai dit nom d'un héros. C'est juste moi, hein, mais merci pour la comparaison, c'est gentil de ta part. Meliodas. Tu me présentes ta chère amie ? Je... Enchantée, mademoiselle. Je suis Love de Thorm, 17 ans, 5 années de mage devant, et vous ? Je suis personne. Personne ? Quel beau... Oh, ça joue avec moi. Je t'aime d'autant plus. Fort caractère, sa copine. Je ne suis pas sa copine. Melio, elle est célibe. Tu veux voir mes abdos ? Je rigole, évidemment. C'était juste pour analyser ton caractère, sans chaud, mais beaucoup de retenue. J'aime. Oui, bon, j'ai compris que tu l'apprécies. Tu veux pas aller voir si Carmen est là ? Quelle Carmen ? Psst, allez où ? Meliodas, donneur de quête depuis 1278. Alors, en voyure, mademoiselle. Qui était-ce ? Un ami à moi. Tu es sublime dans ton ami de mage. Toi de même ? Je ne t'avais jamais vu ainsi. Je n'ai pas l'habitude de porter mes habits de mage, comme ils sont moins confortables et moins pratiques pour se battre. Et moi donc ? Je suis en mini-short avec une robe longue. Mais c'est très stylé, hein. Sinon, tu parlais de quoi avec l'œuf de machin, là ? Disons que les royaumes de l'Est essaient de trouver le passage par la mer vers Sreos, ce qui est impossible car une barrière magique cache et protège l'île. S'ils nous trouvent, nous sommes tous morts, alors espérons que ça tienne pendant encore longtemps. Et comment on peut détruire cette barrière ? On ne peut pas. Soit on passe par les portails pour y aller, mais il faut les trouver, alors c'est comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin. Ou alors il faudrait une force surpuissante de magie qui réussisse à percer le dôme qui nous protège. Mais il faut être surpuissant.
Au fait, on a des nouvelles d'Edouard, de Corvo, de Rayal ou de Meriola? C'est qui Meriola déjà? La chef de la guilde des assassins. La petite amie de Corvo. La fille qui avait une voix si aiguë qu'elle pouvait exploser des verres juste en parlant. Ah oui. Et non, on n'a aucune nouvelle. Aux dernières infos, Noctis a envoyé un éclaireur voir ce qu'ils sont devenus car on ne les entendait plus trop en ce moment. Espérons que tout va bien pour eux. Mais oui, ce sont des débrouillards, c'est ça. Je ne m'en fais pas pour eux. Il se fait tard, tu devrais aller dormir pour que tu tiennes le coup lors de la réunion. Ouais, t'as raison. À demain. C'est tout de même marrant. On dit que la vermine ne disparaît jamais vraiment. Et, quelques jours auparavant, je sentais ton odeur nauséabonde revenir sur mes terres. Sache que mon fiel n'a aucune limite. Et vu que les paroles ne suffisent pas, peut-être que la violence saura te raisonner. J'enverrai quelques maraudes te capturer. Et après t'avoir subtilement enseigné les rudiments de la torture, je filerai en pâture à mes cerbères adorés, ton corps démembré, ton corps calciné. Oui, je me suis dit que rôti, tu serais plus goûtu pour mes chiens. Et qui plus est, ton surnom, la fille du feu, aurait un peu plus de sens. Je ne tarderai pas à mettre mes menaces à exécution. Prépare-toi pour ta descente aux enfers. C'est tout, pour le moment. Ah, quel beau matin, mes amis! Les oiseaux chantent, les enfants jouent dehors, le soleil illumine cette île magique. Noctis est en train de gérer son royaume en parlant avec ses conseillers avant la réunion. Mais Iodas, comme à son habitude, croque la vie à pleines dents en parlant avec son cher ami. Tout va bien aujourd'hui, il fait beau et je sens qu'aujourd'hui va être une journée formidable. Rien qu'aujourd'hui, tu croyais qu'un esprit avait fait ta tartine. Mais j'ai jamais mis de beurre sur ma tartine, j'en suis sûr, bordel! Et pendant ce temps-là, FG... Non ! Quoi non ? Je sors de la douche, alors tu te casses avec tes travelling à la con. On va me voir sans rien, alors tu ne rentres pas dans la salle de bain. On n'est pas dans les anges, là, oh ! Mais je flouterais... Non ! Mais je... Je te jure que si tu viens, je te coupe la langue. M'en fous, je pourrais toujours parler en morse. Dehors, maintenant ! C'est bon, là ! C'est pas parce que je t'ai filmé une fois sans faire exprès, alors que tu te baignais dans un lac souterrain, que... Tu as fait quoi ? Je vais y aller, moi, hein. Allez, salut! Tu m'expliques tout de suite! C'est quoi cette histoire, espèce de narrateur de... De toute façon, il faut éradiquer tous ceux qui ne sont pas des magiciens. Ils ne servent à rien dans ce monde. Ils ne servent à rien? Et tu crois que l'économie des royaumes marche comment? Avec des pieds, peut-être? Non, grâce à tous les villageois qui nous donnent les ressources, aux soldats et aux archers qui nous protègent. Tout fonctionne maintenant, grâce à la magie. Ils ne servent plus à rien. Bonjour! Oh, salut toi, je ne t'avais pas remarqué. Bien dormi? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ils se disputent pour savoir si les épéistes et les archers sont importants ou non. Ah, d'accord. J'ai tellement envie de te frapper, toi, avec ta tête d'épis de maïs, là. Dans au moins un mois, je respecte les 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi est-ce que tout le monde a envie de frapper Meliodas? Il est gentil, pourtant. Parce que des gens l'ont rencontré? Ah, effectivement, ça paraît logique. Toi, tu es la lune car tu es vachement pâle et tout autour de toi, c'est sombre. Alors que moi, je suis le soleil car j'ai une belle chevelure blonde et parce que je suis toujours beau et heureux. Tu représentes le soleil car personne veut te regarder. Sinon, on se brûle les yeux tellement que t'es moche. Enfin, ça dépend de ta façon de voir les choses. On peut dire aussi que je suis tellement bégé que je brûle les yeux de ceux qui me regardent comme méduse. Quelqu'un a des souvenirs de ce qu'elle est devenue, au fait? Elle est toujours en captivité, je crois. Eh, do you know that way? Non. Il est bientôt 10h30, l'assemblée va commencer dans très peu de temps. T'as ton badge de maison? Mon... badge de maison? Tu sais, le badge qui détermine à quelle maison tu appartiens. Oh mince, je l'ai oublié! Cours, Forest! Oh non, mais c'est pas possible, ça! Mince, mais d'habitude, je suis pas si tête en l'air que ça.
Oh, un oslo! Ce qu'on dit est vrai! L'animal totem des magiciens sont les chats. C'est rigolo, ça! Mais attends, il y a un oslo à ma fenêtre qui se trouve au 10e étage? What the... Bonjour à toutes et à tous, et bien sûr bonjour Alain. Bonjour, bonjour, et bonjour à vous John. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Comme vous le savez ou non, aujourd'hui est une journée particulière. Eh oui, Jamy, aujourd'hui se déroule l'Assemblée des Mages, la plus grande réunion du monde de la magie jamais créée auparavant. Eh, avant que cette assemblée commence, vous voulez une blague? Avec plaisir. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan, cette blague a été faite et refaite. Alain, voyons. Ah. Allez, à l'intérieur, voici, j'y suis. Je rêve, vous venez de faire une blague sur mon prénom. Merci à toutes et à tous d'être venus à cette réunion. Aujourd'hui, messieurs et mesdames, l'heure est grave. L'heure est à la guerre, à la destruction, à la révolte contre les autres classes. Mais il est temps pour nous, camarades, de nous lever et de montrer qui sont les plus forts. Il nous faut lutter contre les envahisseurs qui veulent notre peau. Au nom des futures générations qui vont nous succéder, au nom de nos ancêtres qui nous surveillent et qui croient en nous, nous devons tous ensemble changer la situation du monde dans laquelle nous sommes. Vous savez que vous auriez pu résumer votre texte en un seul mot. Oui, mais c'était plus stylé. Mon roi, parlez de nous du monde. Il se passe quoi en ce moment? En ce moment, pour résumer, tout le monde tape sur tout le monde. Et on n'a pas de nouvelles des autres classes et des guildes? À ce que je sache, tous les épéistes du royaume essayent de nous traquer et de nous trouver. Sauf qu'ils sont un peu teubés et qu'ils n'y arrivent pas. Pour les archers, ils jouent plutôt une guerre défensive face aux épéistes. À cause de tout cela, de nombreuses guildes rebelles ont été créées. On essaye de prendre contact avec celles-ci, sauf qu'elles sont trop discrètes. Bah, c'est le but des guildes rebelles aussi, de ne pas se faire repérer. Bah oui, je m'en doute! Et les autres classes? Pour les guildes des espions... Elles sont toutes dissoutes afin de partir chez les épéistes, archers ou mages. Pour les guildes des voleurs, elles ont rejoint les archers. Pour la guilde des assassins, elle a été dissoute car leur chef est... décédé. Ah, les humains, tous plus idiots que les uns que les autres, n'est-ce pas? Au lieu d'essayer de chercher un moyen efficace avec leur petit cerveau afin de stopper cette effusion de sang, ils se disputent, se battent et s'insultent en pensant que celui qui aura la voix la plus forte gagnera. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un peu de tenue par nous. Nous ne sommes pas comme ces barbares, donc. Ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Vos propos n'intéressent personne, à ce que je sais. Vos paroles font comme du vénin pour moi. On peut se calmer, là? Eh oh! Écoutez-moi, non? Oh, les bolosses, on va m'écouter 2 secondes, s'il vous plaît, là? Je disais donc que... Quoi que vous dites serait une mauvaise décision. Non mais, eh oh, vous êtes qui, là, pour me dire ça? Jean Poussin, 3e légion des magiciens de glace. Et de quel droit osez-vous contrer mes paroles? Et si vous faites trop chier, j'en pousse un et j'en prends un autre! Vous me créez un escadron massif et une garnison sur les remparts. Mais mon roi, c'est pas facile! Tu crois que c'est facile de diriger un pays? Je résume donc nos actions. Les personnes qui seront contre ces réformes se mettront à beugler. Après, et je dis bien après que j'ai fini de parler, je décide donc... Comme vous êtes beaucoup à l'avoir demandé, de passer à la méthode offensive, nous allons montrer au monde entier de quoi l'univers de la magie est capable. Plus jamais nous n'allons nous faire marcher dessus. Plus jamais notre peuple ne sera discriminé et haï comme avant. Plus jamais nous n'entendrons d'éloges sur les épéistes ou les archers de notre vie. Aujourd'hui est un grand jour, je veux que chaque soldat ou de chaque élément, que vous apparteniez à la maison du feu, de l'eau, de la glace ou de la nature et j'en passe, nous devons tous unir nos forces afin de dominer ce monde en péril. Nous n'aurons aucune pitié envers les opposants, que ce soit des hommes, femmes et enfants. Nous nous battrons coûte que coûte jusqu'à défier les éléments de la nature qui se déchaîneront à notre rencontre. L'ère de la révolution a déjà sonné. Soyons fiers de notre classe et battons-nous jusqu'au bout. Le monde dans lequel la vermine habite sera leur tombeau. Nous n'arrivons toujours pas à localiser ces foutus magiciens. C'est comme si c'était tous mis invisibles. Et les elfes? On a réussi à converser avec eux? Non, nullement. Eux aussi sont introuvables. Chef, que comptez-vous faire? Vous devez répondre à la question « Que comptez-vous faire ?»
Réponse A. On va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Réponse B. Do you know that way? Réponse C. MDR, on va tous crever. Réponse D. La réponse D. La réponse A. C'est votre dernier mot, Corvo? Oui. On va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Et on va faire quoi? On va peut-être essayer d'aller voir les paysans. On peut passer un marché avec eux. Aujourd'hui, nous faisons la rencontre avec Corvo, de Michel, agriculteur depuis 30 ans qui... Ok, laissez tomber. On peut essayer de recommencer les recherches chez les elfes. Je sais qu'ils veulent être de notre côté, mais on ne sait pas où ils se trouvent. T'es bien drôle, toi, mais si tu les trouves, tu sais comment parler elfique un minimum? Oui, j'ai les bases, chef. Dites-moi de traduire n'importe quel mot en elfique et je le traduirai. Comment dit-on ami en elfique? Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Narrateur? Oui, c'est moi, qui est-il? J'aimerais vous dire un truc, mais j'ai peur que vous me preniez mal. Mais non, ne t'inquiète pas, dis-moi tout. Mais vous me faites chier! Oh, c'est bon, hein, c'est pour détendre l'atmosphère. Allez, oust! Nya nya nya. Bon, au final, on fait quoi, chef? On fait bli, là. Despacito. Eh oh, tu t'es pris pour un piaf, toi? Excusez, j'ai une musique dans la tête et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ah oui, ça m'est arrivé la semaine dernière. Si tu ne veux plus la voir, il faut la chanter à voix haute, ça va partir normalement. Ah bon? Parce qu'on m'a dit de siffler et... Vous comptez leur siffler à la gueule aux elfes quand on va les croiser pour communiquer ou ça se passe comment? Bah, pourquoi pas, apparemment ce sont bons musiciens.